J'aimerais que tu me touches. Maria. De la musique, de la bonne humeur, le groupe ACBZ est en résidence au centre culturel John Lennon à Limoges. Les chansons parlent d'amour avec humour. Ne pas se prendre au sérieux tout en le faisant sérieusement semble être le leitmotiv d'ACBZ. J'aimerais que tu me touches, sors de la douche. Sois pas farouche, mais t'es babouche, j'aimerais que tu me touches. J'aimerais que tu m'étonnes quand je t'espionne. Que tu te donnes en polissonne, j'aimerais que tu sonnes. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? On ne sait pas. Donc du coup, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Alors oui, c'est des chansons rigolotes autour de l'amour. Il vaut mieux en rigoler. J'aimerais que tu me piques de ta flèche unique et que tes tactiques soient épiques. J'aimerais que tu me piques. On essaye d'être un petit peu électro. Alors une fois, j'ai eu le malheur de dire électro rigolo. On m'a dit, ouais, dis pas ça parce qu'en fait, ça le fait pas. Et du coup, je le dis quand même. J'en profite en plus, il y a la caméra et tout quoi. Donc, oui, je m'abandonne en Amazon, tandis qu'elle me soulève entre ses lèvres. Les résidences sont comme souvent en cette période l'occasion pour des groupes comme ACBZ de retrouver les sensations des performances live. Le fait qu'on puisse se retrouver dans une salle dans des conditions vraiment juste extraordinaires, enfin des vraies conditions de live, du coup ça nous permet vraiment de travailler en fait ce qui va être justement tous les sons parce qu'on n'a pas pu les essayer en fait sur scène, savoir ce que ça donnait, ce que ça racontait, si c'était cohérent avec ce qu'on jouait, ce qu'on chantait. Et du coup, c'est un vrai travail en fait de fond en fait pour un futur, on espère prochain. On a joué cet été quatre fois. On a essayé des petits concerts, mais très très intéressants. Et voilà, maintenant il faut peaufiner tout ça. Puis on n'a pas arrêté de travailler depuis quand même. Hein. Après tous les trois, on s'est vus chez nous pour travailler, pour répéter. Oui, quoi. On a répété. Avant de faire cette résidence. J'aimerais que tu décolles, qu'on ait de la colle. Et quand gondole un peu frivole, tu perds de la boussole. J'aimerais que tu fesses pendant la messe. Avec l'ivresse de la pécheresse, j'aimerais que tu me fesses. J'aimerais que tu me touches et que tu te douches. Et quand babouche, tu me fasses la mouche, j'aimerais que tu te touches. Alors doucement, elle me tourmente et se vante. Elle va me décoller la boussole. Et me donner la fessée de l'été. Mais elle pose ses fesses en tenue d'aile et se douche avec ses babouches. Et d'un doigt posé sur sa corolle, elle se touche en faisant la mouche. Pour cette résidence, ACBZ a pu bénéficier des conseils du metteur en scène Gilles Favreau. Je suis pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Et le féministe, faut que tu l'attaques. Fais plus. Encore ? C'est on y est. 1, 2, 3. Je ne suis pas. Féministe. Yes ! J'écoute la musique d'abord. Mais j'écoute les mots. Et j'écoute aussi les corps. J'écoute comment les gens s'écoutent. C'est. Mais pour moi, c'est l'essentiel, en fait. Et c'est trouver l'espace, toujours, pour que et les mots et la musique résonnent. Quand on est dans des conditions de travail comme ça, on a du temps. Et on a besoin de ce temps-là pour la confiance, parce qu'on se rend compte pour la première fois. Et puis, après, pour que le corps aussi s'ancre dans la matière sonore et dans les mots. J'attends le prince charmant, 100% végan, en tutu et en collant. Je le convoite tous les soirs, jusque dans ses boîtes de tofu et de choux. Je recherche parmi vous le bioparti qui me fera plus belle la vie, car...
mais je suis... Et une petite touche d'optimisme, bientôt, ça redémarre. Vous avez envie de faire quoi le jour où ça redémarre? Bah, de jouer, bien sûr. De durer, de s'embrasser, ouais. Pour de vrai. J'aimerais que tu me touches pour de vrai. Bien sûr. De jouer, puisque les autres jouent. Vous êtes professionnel de la musique, hein, tous oui, les il deux. Nous faut de la donc, scène, oui. Beaucoup de scène. On sera contents. Ouais. Jouer, voilà, pouvoir partager, communiquer avec un public, chose qu'on ne peut pas faire malheureusement depuis trop longtemps. Or, c'est trouve. Aussi un regard extérieur qui nourrit quand on joue, quoi. Qui est vraiment essentiel. Ouais. Nous ne sommes pas des fées, si. Nous ne sommes pas féministes. Mais je suis opportuniste.